Bien, bien, donc bonjour à tous. On va essayer de continuer les campagnes de Empire at War, cette fois-ci donc côté Empire, puisqu'on avait fini ensemble la dernière fois la partie Rebelle. Et normalement, le mixage du son devrait être un peu meilleur que la dernière fois. J'ai grandement réduit le son de tout ce qu'il y a autour. Puis dans les options ici, au niveau audio, on va encore aller réduire un petit peu les volumes aussi. De manière à être sûr que vous puissiez bien m'entendre, parce que j'ai eu quelques retours sur les streams, et quand je les ai visionnés, effectivement, c'était le cas, sur le fait que ben c'était pas top, quoi. On m'entendait pas, on entendait trop le jeu et pas assez moi. Donc voilà, donc là au moins ça devrait être beaucoup mieux. On va recharger donc toc, la sauvegarde. Et on va aller jouer le rôle de Vador, si je me souviens bien d'où on s'est arrêté. Ouais, voilà. Alors. Il faut qu'on élimine ces sales rebelles et raser leur bâtiment, tout en faisant survivre Vador. Ok. Alors normalement, en théorie, en vrai, Vador, il est censé ne pas avoir besoin de moi pour survivre. Mais dans le jeu, visiblement, il va falloir que je le préserve. Putain, mais quel crétin! Voilà. Ouais, non, en fait, Vador, il est méga fort. Il se prend des tirs et pour l'instant, il est toujours full life en mode c'est bon, je dévive au tir et je vous défonce la gueule. C'est peut-être fait exprès pour que dans le scénario, on se dise waouh, Vador, c'est vraiment. Genre, il pouvait faire la mission tout seul, quoi. Ah oui! Mais lol! D'accord, ok. Ah ouais, je confirme, c'est vraiment trop ça en fait cet épisode-là. C'est. Juste pour dire, vous avez vu, Vador tout seul, il nique tout, quoi. Ah si, là, il commence quand même à prendre un peu de dégâts, ça me rassure. Pas beaucoup, certes, mais ça me rassure quand même. Ah, puis il se régène peut-être parce que je l'ai vu baisser légèrement et là il est déjà full life. C'est monstrueux en fait. C'est le perso cheaté de la map quoi. Tiens, juste pour le fun, quitte à la perte, tant pis, je vais essayer de continuer que avec Vador. Voir si c'est plus lent, mais si, en gros, il y arrive, quoi. C'est ça, il morfle quasiment pas, quoi, en fait. C'est assez ouf. Ah, ok, donc là, il y a le bouclier et là, il y a la source. Allez, c'est parti.
C'est dommage parce que sa voix là, elle est vraiment bidon. Ah ouais, non, si, il prend quand même Bagdad là. Ok, il prend Bagdad mais il leur met leur misère à lui tout seul quand même. La vache. Et donc là en fait j'ai juste à faire ça je pense et puis c'est bon quoi. Je le requinque et puis on n'en parle plus. Ouais voilà, ok. Allez, vas-y, Vador Immortal. Ah non, ça c'est sur Oculus, Vador Immortal. Même la vitesse à laquelle il défonce complètement les... Ah la vache. Même les bâtiments, lui tout seul là, comment il est déglingue. Ouais, le perso totalement ouf quoi. Puis là en plus il est sous le truc de soin donc laisse tomber quoi. C'est quand même le perso foufou, hein. Ah là il va quand même prendre Bagdad là parce qu'il y a l'autre qui est en train de le défoncer. Ah non mais en fait il arrive à faire mal aux deux. Ah ouais. Ouais en gros tu lui mets juste un petit générateur de soins puis on n'en parle plus quoi. Par contre c'est vraiment dommage que ce doublage ce soit ce doublage là quoi. C'est pas le doublage original quoi. Ah ouais c'est ça, il leur renvoie leur tir à eux. Donc ils vont sneaker tout seuls en fait. Et en même temps, il est en train de défoncer le soignant tranquille, quoi. Vache. Ah ouais. Les mecs, vous auriez mieux fait de m'attaquer au couteau, vous auriez peut-être été plus efficace. Oh, putain. Ah, le perso de Fada. Et franchement, moi, s'ils me mettent Vador dans toutes les missions, c'est bon, ça me va. Hein. Dans 3 minutes, j'ai fini la campagne, quoi. J'ai même pas besoin de produire d'unité. Non, c'est ouf. Bon, eux, ils vont se faire défoncer de toute façon, donc on s'en fout. Oh, le machin, quoi. Allez, juste pour le fun. Bon bah voilà. Hein. Ah, c'en est presque ridicule tellement il est fort. Ah oui, voilà, c'est ça, il était bugué en fait. Il aurait dû être mort, c'est pour ça qu'il tremblotait à tourner sa tête bêtement. Bonjour Michel, bonjour Michel. Il y a un faux raccord dans cette scène. Bon alors. Sur Coruscant, là on a déjà ça et ça. Donc ça me suffit, donc on va faire ça. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça en fait. On peut annuler. Ouais. Ça j'ai. Et ça j'ai, on a dit. Alors, on va mettre ça aussi, c'est quoi? École d'officier. Allez, vas-y, soyons ouf. École d'officier. Là, ici, on a quoi donc? Un Axis. On a que ça pour l'instant. On va faire ça, ça et ça. Puis on va faire ça aussi. Hein, voilà. Coruscant, je peux pas. Non, d'accord, ok. Et toi, donc, on va faire ça. Et là sur Terre, t'as quoi? T'as tac tac. On va pas faire un truc d'officier sinon tu vas rien me rapporter. Par contre, ça c'est quoi ça? Complexe minier? Cantina. Produit des contrebandiers. On s'en bat les couilles. Hop.
Alors. Allez, vas-y, on va juste tenter ça. Ouais, grave. J'ai bien envie de le tenter qu'avec Vador, en fait. Vu qu'il a l'air complètement cheaté, de toute façon. Genre comment ils ont buté les méchants. Bien reçu. Ah ouais, d'accord, ok, en fait j'ai pas Vador. Hein? Ça c'est Je pas pars en cool. reconnaissance. J'y vais. Ça c'est pas cool. Bon bah vas-y, avance hein, de toute façon. J'aurais dû produire plus et en emmener plus alors finalement. Ouais, c'est ça, là, je vais me faire déglinguer en fait. Cible identifiée. Ennemi repéré. Ok, ouais, donc là, ça le fait pas du tout. Ah, mais si, je peux amener Vador. Ah, j'avais pas vu. Crétin de Took. Lolilol. En même temps, je demande à Vador de faire l'invasion, il n'est pas posé au départ, quoi. C'est d'une logique déconcertante. Ouais, on a vu. Vous les tuez à 500 contre 1. Vous n'avez pas de scrupules, tout va bien. Alors, est-ce que juste Vador, ça va faire le café? Ou est-ce qu'il faut vraiment donc que je le fasse en mode sérieux, avec un max de... Ouais, non, là quand même, ils sont tellement nombreux, il prend Bagdad. Hein. Ok, ouais. Vas-y, cours, Forest, cours. Mais bon, je vais quand même peut-être pas avoir assez d'unités là. Hein. Ah ouais, lol. Ouais, non, Vador, il va mourir. Ok. Ok, si je la repère de nouveau, je la ferai correctement. Moi.
Genre, ouais, on a besoin de moi hier, ouais, d'accord, ok, ouais, tu t'es juste fait fumer en fait. Mais bon, là c'est moi qui vais me faire fumer à force. Hein. Ah, j'aurais dû la jouer sérieux en fait. Ça aurait quand même été idiot qu'ils me mettent un personnage absolument imbattable. Oh la vache, c'est l'hécatombe. Ouais, c'est mort. Ils sont beaucoup, beaucoup trop nombreux en fait. Nous avons été vaincus. Oh bah ça alors. Hein. Non, ça me dit pas ça? Pourquoi ça me dit pas ça? Ah, parce que j'ai ces machins-là. Ouais, ok. Enfin, c'est pas eux qui vont sauver la game, hein, là. Ils vont écraser tout plein de monde, mais bon, ça va pas faire le café, hein. Ouais, voilà. Ok, bon allez, on fait de la prod et on fait ça proprement. Donc, tac, 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 tac. Toi. Ah, bah, tac, 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 tac. Toc. Toc. Non, ça sert à rien. Par contre, il est où, Vador? Ah oui, maintenant, ok, comme je l'ai perdu, il est en refresh, d'accord. Il a un genre de cooldown quand il se fait vaincre. Ah, ça y est, il y a de nouveau Vador. Ouais, son cooldown va quand même assez vite. Allez, ça ira bien là, je pense quand même. C'est le début, hein, donc il ne doit pas y avoir non plus besoin d'avoir 15 milliards d'unités. Yes! Vas-y, déclenche ton invasion, pépère. On est parti. À cause de moi, on l'aura vu plein de fois cette scène. Alors. On peut rien construire là-dessus, on peut pas les capturer, les balises. Ah si, ça verdit. Ouais, nickel. Un truc comme ça.
Là, vous, vous auriez pas dû venir tout seul, par contre, quand même. Hop, ça c'est fait. Ouais, et puis là, avec du support, hein. Il devrait faire le café, Pépère. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un super bon général avec un peu d'appui, il est très 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 puissant. Mais voilà, il peut pas tout faire tout seul, ce qui est plutôt cohérent, quoi. Non, je peux pas encore de renfort, j'ai pas perdu assez d'unités. Bon allez, approche-toi du réparateur, toi, arrête de faire chier, putain. Tout de suite et t'y vas pas, quoi. Bon, depuis tout à l'heure, il n'y a que toi qu'on attend, quoi. Voilà, allez. On est reparti. Oh, mais comment il galère à aller là où je lui ai dit d'aller. Oh, le déplacement d'unité, il est vraiment bidon. Vos hommes. Calculez la trajectoire.
Ah ouais, d'accord, ok. Il one shot même un tank en écrasement par la force. C'est bon ça comme cooldown aussi. Enfin comme spell. Ah, salut Hyperkiller, merci pour le follow. Ça fait toujours plaisir. Ouais, j'avoue Torno, ouais, il est tout pété, mais c'est un vieux jeu, hein, il a 15 ans aussi, hein, donc bon. Pas non plus trop lui en demander, quoi. Mais effectivement, quand on voit que c'est la même époque qu'un StarCraft, ouais, ça a rien à voir, quoi. StarCraft était tellement beaucoup plus fluide et plus abouti. Ah merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ah ta gueule. Oula, il a pas aimé. Ah, faut pas me dire que je vais devoir recommencer toute ma mission parce que là ça va pas être cool. Hein. Donc ouais, effectivement, comme tu disais, Torno, il est tout pété. Ah la vache, il n'arrive même pas. Ah oui, d'accord, ok. Ça a fait planter les pilotes direct 3D, putain. Un pauvre retour bureau, ça fait planter le jeu, quoi, c'est ouf. Allez, on y retourne. Bah, je voulais faire une plongée dans les vieux jeux Star Wars, hein, faut que j'assume, hein. J'assume ma connerie maintenant. Allez. Sauvegarde auto le 9 avril. Putain, ouais, d'accord, ok. Il m'a fait aucune sauvegarde auto là pendant le jeu, quoi. Salaud. Putain. Ok, bon, bah c'est reparti. Allez, on est parti. Tac, hop, on y va. Là, on va pas faire dans la dentelle, hein. Allez hop. Voilà, ça va être parfait. Mais non, mais... des renforts en attente. Le générateur est détruit. Occupez-vous des derniers rebelles.
Comme j'avais dit, hein, on va pas le faire dans la dentelle, celui-là. À un moment, on sait que ça passe large, donc ça passe large, quoi. Tant pis si je perds plein d'unités, c'est pas grave. Allez-y, tirez sur le Vador, bande de pécores. C'est bien s'ils me suivent, comme ça ils vont quand même venir se faire tuer alors je me suis déplacé. C'est parfait. Si eux avaient pu faire pareil, ça aurait été idéal. Voilà, allez. Hop, on va repasser le dialogue, hein, parce que c'est bon ça, on l'a déjà eu. Non mais. Non mais c'est quoi ce jeu tout buggé? Je vais pas la refaire 10 fois la mission, hein, mec. En fait, je vais le renommer mon stream et je vais mettre plongé dans les bugs des anciens jeux Star Wars. Putain. On peut passer à travers le bouclier pour gagner du temps ou pas? L'heure de votre mort approche. Cible identique. Il faut neutraliser ce bouclier avant l'attaque. Ouais, voilà. Détruisez les sources d'alimentation pour nous permettre d'avancer. On s'en bat avec, en fait, on peut attaquer ça en premier, quoi. Ah non, je peux pas. Ok. Bon. Seigneur Vador, cette pitoyable rébellion ne saurait tenir tête ainsi. Nous avons été vaincus. Ok, donc non, faut quand même tout désactiver avant. Non, 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 mais non, là, à un moment, faut arrêter, quoi. Putain, mais il m'a remis mon ancienne partie en côté rebelle, quoi. Mais c'est quoi ce jeu? Putain! C'est absolument ouf, quoi. Donner l'alerte. Les rebelles
Ils n'auront plus besoin de ce centre de communication. Détruisez-le. Le mode cinéma, pareil, hein. C'est pas une franche réussite en fait, hein. Des renforts. On attend. Le générateur est détruit. Occupez-vous des derniers rebelles. Tenez-vous prêts. Affrontement pour un point de renfort. Préparez vos ordres. Capacité maximale atteinte. Calculez la trajectoire. Comme vous voulez. Bon, allez, bug pas, s'il te plaît, bug pas. Yes. Sauvegarder. Bien. Bon, maintenant. Ah, pareil, les sauvegardes prennent une plombe, c'est fou. Eh ben, merci. Seigneur, les nouvelles de Fondor sont mauvaises. Les rebelles ont écrasé nos troupes et pris le contrôle de certaines installations. Mais nous savons maintenant où ils se trouvent. Éliminez-les sans attendre et récupérez toute trace de communication dans la zone. Journal de mission, mise à jour. Construction. Entraînement des
Allez, gaz, hop. Destination confirmée. En avant. Je suis prêt. Éclaireur au rapport. En mouvement. Éclaireur au rapport. Je suis prêt. Au rapport. Je suis prêt. Allez, c'est parti. Bon, donc. Alors, déjà, ouais, renfort. Ok, ensuite. Cessez vos plaisanteries. Oui. Construction en cours. Et maintenant. Construction achevée. Voilà, ok. Bah allez, hein, laissez-le pas tout seul. Hein. Même s'il fait le café, vous avez le droit de l'aider. Watt 1000 unités, ils sont pas foutus de soutenir leur général, quoi. Putain, c'est fou. Ok, alors. Laisse le côté obscur t'envahir. Pense y être en sécurité.
Comment je prends grave cher quand même, dis donc. Allez, Vador, vas-y un peu là. Hop. T'es le champion, toi, contre les unités terrestres comme ça. Et laisse pas se faire péter la gueule tout seul. Voilà. Ça y est, c'est mort. D'accord. Et ça fait quoi d'avoir capturé une unité de véhicules lourds à l'abandon? J'ai pas l'impression que je puisse produire des véhicules lourds avec, donc bon, voilà quoi. Mais bon, ça leur fait plaisir. Hein. Ah merde, ils ont été me chercher mon point de renfort. Hein. Puis tu crois qu'ils se regrouperaient pour riposter, mais que dalle quoi. C'est vraiment des boulets les trucs quoi. Mais regarde-moi le là. Le truc il est en train de se faire canarder, il reste, il riposte pas. Non mais c'est ridicule. Putain. Déjà je t'ai demandé de venir à côté de la station de réparation, t'y vas pas, mais en plus tu te fais canarder comme un connard et tu ripostes pas quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? À un moment, bon, je veux bien être sympa, mais il y a des limites quoi. Putain.
Ah bah déjà ça a levé le brouillard de guerre pour pouvoir les finir plus vite, ça c'est cool. Ok, bon, on y arrive petit à petit. Sauvegarde. Même si ça prend une plombe, tant pis. J'ai plus une thune. C'est où que je leur ai demandé de la construire, la sonde là? C'est là, non? Non, c'est pas là que j'ai mon droïde sonde. Est-ce que c'est là alors que je l'ai demandé? Non, non plus. Ok, putain, je l'ai. Ah, si, c'est là. C'est en cours, ok. Allez, pépère. Espionner. Je suis prêt. Le droïde sonde a localisé ce qui semble être la base des pirates. C'est un champ d'astéroïdes extrêmement dense, avec des systèmes défensifs renforcés. Contactez le chasseur de primes, Boba Fett. Oui, Seigneur Vador. Vous avez besoin de moi? L'Empire est prêt à verser une prime considérable pour la destruction des défenses orbitales. Tuer un de ces sales pirates. Vous devez détruire leur défense. La flotte impériale se chargera du reste. Pas de cible, pas de contrat. N'allez pas imaginer que vous êtes indispensable à l'Empire, mais nous avons besoin de vos services. Votre cible est le chef des pirates. Prenez-le vivant. Journal de mission, mise à jour. Je vais y aller. Bataille tactique imminente. Je suis sûr que c'est le genre de bataille que je vais pas aimer, où je vais devoir la jouer en un contre un, enfin en un contre plein, comme avec le faucon en fait. Ça a l'air d'être un peu le même système que l'autre campagne, mais de l'autre côté quoi. Détruire toutes les capsules radar grâce à Boba. Ok, d'accord. On va regarder ce que ça donne quand, quand on les détruit. Est-ce que ça alerte des gens? Est-ce que... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que... Ah. Et leur chef, c'est lequel? Ah non, c'est lui, ok. Ouais, laisse tomber, la navette elle est beaucoup trop forte en fait. Non, tu crois? Ouais, d'accord. Ok. Bon, alors, donc.
Ouais, bah c'est bon, on y va, on y va. Enfin. J'y vais. Bataille tactique imminente. Ok, bon, allez. En même temps, avec la flotte que je viens de me faire, j'aurais pu la jouer à la normale. Ce serait déjà fini, hein. Bon. Allez, c'est parti, on recommence. Petite surprise pour vous. Ennemi en approche. Ils vont regretter d'avoir croisé mon chemin. Ah merde. D'accord, il la lance là où il est. Fait chier. Tac. Alors.
Je veux bien, mais pourquoi je peux pas cliquer dessus? Je passe à l'attaque. Tout de suite. Regia. La blague, c'est que je vais pas pouvoir acheminer de renfort maintenant que j'ai fini la mission parce que j'ai pas mis de flotte en orbite parce que ça m'a déclenché ce truc-là avant que je puisse la mettre. C'est ça en fait la grosse blague? Non mais sérieux, c'est du foutage de gueule. À un moment, je veux bien être gentil, mais comment je fais pour avoir accès à la carte galactique? Bah non. Je suis sûr que ça va me faire perdre la mission, cette connerie. Le chasseur de primes a échoué. Préparez le saut en hyperespace. A échoué, je t'en foutrais, moi, des échoués. Des a échoué. Ne vous avisez pas de commencer sans moi. Ah non, mais à un moment là. Mec, bon, ok, alors attends. Si je fais ça. Maintenant je fais ça. Ah bah putain. Merci quoi. C'est tellement pas intuitif. Ouais bah oui je sais, oui, ça va faire la troisième fois que je le fais. Con de jeu. Bientôt là. Renfort annulé. J'y vais. Je quitte la zone. Tout de suite. Renfort annulé. J'y vais. C'est trop facile. Renfort annulé. Renfort annulé. Je quitte la zone. Quitte la zone. Je rentre les coordonnées. Genre, ah ouais, d'accord, ok. Bon. Allez, c'est parti. Aucun problème. Je me mets en position. Non, Borg, détruisez ces tourelles. Visez les points critiques des astéroïdes. Je vous attrape rien. Comment ils sont faits pour nous trouver? Préparez ma navette. C'est le chef des pirates. Il ne doit pas s'échapper. L'attaque. Orientez les boucliers déflecteurs pendant que l'ordinateur calcule les coordonnées d'hyperespace. Impossible de passer en hyperespace avec ces astéroïdes. Voilà, il est à vous. On va s'occuper de vous, sale traître.
Donc quoi, c'était pas difficile, hein. Fallait juste que le jeu soit un peu plus intuitif. Ah bon? Ah ouais, non mais si t'as des projets de mégalo aussi, mec. Oh, toi, Tarkin. Je te nique ta gueule. Construction achevée. 3 heures tardant au rapport. Construction achevée. 3 heures opérationnelle. Confirmé. Allez, on va faire une grosse série de captures histoire d'avoir plein de pognon et de pouvoir produire très vite après. Comme ça, on va finir cette mission, enfin cette campagne très rapidement et on sera tranquille. Voilà, parfait. Je suis prêt. Non, c'est bon, c'est bon. Construction achevée. Je suis prêt. Construction achevée. Prêt. C'est la volonté de l'empereur. Comme ça, là, on défonce les rebelles. Construction achevée. Construction. Bâtiment en cours. Construction achevée. Unité en production. Construction achevée. Construction achevée. Construction de l'unité. 3 heures opérationnelles. Construction de l'unité. Construction achevée. 3 heures opérationnelles. Ok, ensuite. Je suis prêt. Croiseur opérationnel. Bien reçu. On y va. Ils sont bien meilleurs producteurs que Boeing ou Airbus, hein, dis donc. Boeing ou Airbus, pardon. Boeing, moi, ouais, n'importe quoi. Je suis croiseur opérationnel. Puis je saute sur un ballon gonflable aussi. Construction.
Ah merde, non. Ouais, bah oui, vaincu, tu m'étonnes. Toi, tu passes par une planète qui est pas sous contrôle aussi. T'es un peu con, non? Ah, ça y est, ils commencent à me réattaquer, les salauds. Voilà, ta gueule. Hop là, ça c'est fait. Ok, c'est pas mal. Elle est pas à moi celle-là. Construction achevée. Unité détruite. Construction achevée. Ah oui, d'accord, ok, c'est qu'il me réattaque ailleurs en fait. Ok. Je vais essayer de libérer mes planètes en fait, quoi. Mais mec, en fait, j'ai plus de pognon que tu ne peux l'imaginer, donc je vais produire tellement d'unités. Tu vas pas comprendre. Ouais, c'est ça. Il aime bien Dagoba, hein. C'est à moi, j'ai dit, c'est mon précieux. Oh, mais il est relou. Dingue ça. Et non. Putain, il est relou. Oh. Ouais, là tu vas pas y arriver tout seul, je pense. Ah si, vainqueur, ok. Bon bah écoute, hein. J'ai trop d'unités. Ok, d'accord. Construction
opérationnel. Prêt. On y va. Bâtiment en construction. Construction de l'unité. 3 heures opérationnelles. Véhicule en production. Ok, allez, on est parti. 3 heures opérationnelles. Top là. Allez. Allons friter du géonosien. De la flotte se dirige vers... Qu'est-ce que c'est ? Oh, des rebelles ! Préparez-vous au combat. Apparemment, les géonosiens sont devenus les alliés des rebelles. Envoyez des renforts. Nous ne pouvons tolérer de tels actes de trahison. Les rebelles se replient vers leur base. Ils ne doivent pas s'échapper. Détruisez la base stellaire rebelle. Quels sont vos ordres ? Bien reçu. Confirmé. Regroupez-vous pour l'attaque suivante. Ennemi en approche rapide. En position. Tout de suite. Bien reçu. J'attaque la cible. Plusieurs engins ennemis se sont séparés du groupe de pointe. Suivez-moi. Les canons laser sont notre cible prioritaire. Il faut attaquer les canons laser. Ordre confirmé. Destruction du générateur de bouclier. Détruisez le générateur de bouclier. Ordre confirmé. Destruction du générateur de bouclier. Le générateur de bouclier, il est super puissant. Hein. Détruisez le générateur de bouclier. On y va. On est bientôt là. Ordre confirmé. Destruction du générateur de bouclier. Plusieurs engins ennemis se sont séparés du groupe de poids. Détruisez le générateur de bouclier. Ah bah quand même. Allez là. Attaquer les canons laser.
terrestre peut commencer. Excellent. Infliger le plus de dommages possible aux autres. Cela leur servira de leçon. Ah ouais, d'accord, ok. Un bon gros génocide, quoi. Peu importe, les survivants travailleront deux fois plus. Laser opérationnel imminent. Unité ennemie repérée. Ah ouais, ils sont nombreux quand même. Les coordonnées. Capacité maximale atteinte. Le seigneur Vador a atterri. J'attaque l'ennemi. Oui. Suivez-moi. Préparez vos hommes. C'est parti. Cessez vos plaisanteries. Maintenant. Cette fois, vous ne vous échapperez pas. Ennemis repérés. Ok, on va vraiment détruire leurs habitations et tout, quoi. Y a pas joué l'Empire, j'aime pas ça. Hein. Pacifier, ouais, c'est ça, ouais. Éradiquer, connard. Je pars en reconnaissance. C'est la volonté de l'empereur. Je vais reconnaître la zone. Construction en cours. Je suis prêt. Suivez-moi et feu à volonté. Achevé. Feu. Tuez-les tous. Nous avons perdu le complexe minier abandonné. Il faut donner l'alerte. J'y vais. De l'empereur. Tout de suite. Je rentre les coordonnées. J'y vais. Capacité maximale atteinte.
Empereur. On se retire. Unité détruite. Trop facile. On y va. Unité détruite. Unité on se retire. Détruite. Unité détruite. S'il résiste, il mourra. Unité détruite. Je rentre les unité coordonnées. Unité détruite. Cette unité voie, vous ne vous échapperez pas. Unité détruite. Unité détruite. Je vais mettre un terme à votre existence. Unité détruite. Unité détruite. Unité vous détruite. Vous allez connaître la souffrance. Trop facile. Trop facile, trop facile. On prend Bagdad quand même, mec. Hein. Un peu de sérieux, quoi. Non, ça verdit pas. Non, ça verdit pas. Ok, bon. Les coordonnées. Renfort annulé. Bah ouais, putain. Je rentre les coordonnées. Qu'y a-t-il ? S'il résiste, il mourra. En mouvement. Il faut donner l'alerte. Déploiement. Explore la zone. S'il résiste, il mourra. Il faut donner l'alerte. C'est parti. Unité je pars en reconnaissance. Suivez-moi, soldat. Trouvez mon approche. Préparez vos hommes. Je vais reconnaître la zone. Calculez la trajectoire. On y va. Comme vous voulez. C'est la volonté de l'empereur. Tout de suite. Laisse le côté obscur t'envahir.
Bon, bah voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va pas oublier de sauvegarder, bien sûr, hein, parce que... Tac, sauvegarder, hop. Tac, oui. Et bien voilà, on continuera sur un autre stream. Au revoir tout le monde et merci à ceux qui sont venus voir le stream ou à ceux qui regarderont le replay. Bye bye.